Aujourd'hui, les cultures d'OGM sont interdites en Haute-Garonne. Quant aux faucheurs volontaires, leurs jugements sont bel et bien terminés. Seule une poignée d'entre eux qui avaient demandé à être rajoutés sur la liste par solidarité attendent d'être jugés dans le courant de l'année. Oui, j'étais en garde à vue et puis normalement, là, si on a de la chance, on va être jugé cette année puisqu'il n'y a pas de raison qu'on était, comme on était dans la même action, que les autres ne soient pas eux aussi pris dans le même filet. La Haute-Garonne était le département où les cultures OGM étaient les plus nombreuses et même si elles sont pour l'instant suspendues, le collectif anti-OGM reste mobilisé. Il y a eu un moratoire pour un seul OGM, le mont 810, sauf qu'on sait que c'est remis en question non seulement pour le mont 810, mais pour au moins trois autres maïs OGM. Et la Commission européenne risque de l'autoriser. Il y a de fortes chances que ce soit autorisé. Une manifestation est prévue samedi, place du Capitole, à partir de 14h30.